Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit : Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit : Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis étendant la main vers ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Voilà un évangile qui peut provoquer en nous une surprise, car Jésus semble dédaigner de rentrer en contact avec sa famille, avec sa mère et ses frères qui sont là dehors et qui cherchent à lui parler. Jésus pose même cette question : Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? La réponse nous est vite donnée quand il tend la main vers ses disciples en disant : Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus nous montre le chemin à suivre pour être son disciple. Il ne remet pas en cause ses liens avec Marie, avec les personnes qui l'accompagnent, il met simplement en perspective sa mission et son caractère d'urgence, d'annonce de la parole de Dieu. Marie n'est pas rejetée, elle n'est pas dédaignée, mais Jésus nous le dit, il est là avant tout pour parler à ceux qui n'ont pas encore connaissance de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il fera passer en priorité ces personnes, parce que c'est elles qui en ont le plus besoin. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons nous considérer comme ces personnes auxquelles le Christ vient s'adresser pour nous dire : Eh bien voilà, mon Père est là, il te tend la main, accepte de répondre à son invitation. Amen.